Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Un vlog commence toujours par une tête fracassée le matin. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, pour moi, est un grand jour. Jour J, D-Day. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Je fais mon premier direct à la télé, donc à France 3 Corse, à l'émission qui s'appelle Via Nove. Et je vais faire une petite chronique. Bon, c'est court, hein, attention, hein, je ne suis pas l'animatrice de l'émission non plus. Mais j'ai les pépettes. Je vais essayer de vous montrer, bah, du coup c'était l'occasion pour moi un peu de vlogger parce que là ça fait quelques jours qu'on se retrouve, qu'on s'est pas vu en vidéo, je stressais tellement, en plus j'ai couru partout. Aujourd'hui je veux que mon maquillage tienne à toute épreuve, donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais pas vous faire le tuto make-up tout ça parce que je vais quand même être à la bourre, sinon je vais pas arriver en retard mon premier jour. Donc pour l'instant c'est l'heure du café, ça faisait une éternité que je buvais plus de café. Figurez-vous que du jour au lendemain je me suis levée et j'avais plus envie de boire du café, donc je me suis mise au thé. Mais ce matin, je sais pas, le stress monte. Oh mon dieu, faut que je me lave les cheveux, hein. Mes cheveux, en fait, j'ai mis de la crème capillaire. Je vais vous montrer laquelle j'ai utilisée. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord, je vais me faire un bon café. J'ai besoin de déstresser. En plus, aujourd'hui, on a une tempête de vent. Alors autant la pluie ça me dérange pas, mais le vent, on n'a pas dormi de la nuit parce que ça s'engouffre, voilà, ça fait battre les volets, ça s'engouffre dans toute la maison. En plus nous comme vous voyez on est en hauteur, on est super exposé au vent. Donc voilà, Audrey, il y a un événement particulier, donc voilà, il y a la tempête. C'est totalement normal hein, dans ma vie, hein. C'est comme ça. C'est étonnant qu'il ne neige pas d'ailleurs. Allez, je vais retourner boire mon café au lieu de dire des bêtises. Et vous savez quoi, de filmer ça me déstresse totalement. Merci, vous êtes ma thérapie. Le chat imperturbable, hein, ce matin on n'a pas envie d'aller dehors, hein, ça caille dehors, hein, on n'a pas envie. Hein. Et le chien qui est toujours là. Bonjour Priam, hein, tu me mets des poils partout toi. Hein. Oui, hein, toi non plus tu veux pas aller dehors avec ce temps. T'as bien raison mon gros. Direction la salle de bain, je vais me laver les cheveux. Ça résonne toujours dans cette pièce, désolée. Je vous montre ce que j'ai utilisé sur mes longueurs cette nuit. Donc c'est la crème Airbnb. Airbnb de Lush, donc qui est un soin capillaire sans rinçage. C'est assez gras, moi je l'ai mis en bonne quantité pour faire une sorte de bain d'huile. Et comme aujourd'hui je veux voilà, une valeur sûre, je sais que ces deux-là ne me trahiront pas, c'est-à-dire le shampoing volume Raoua, qui est génial, qui apporte du volume, qui est... Enfin, bref, je l'adore, je vous en ai déjà parlé. Et le démêlant, je vous en ai jamais parlé, de celui-ci, American Cream, toujours de Lush, qui sent divinement bon, il fait super... bien briller les cheveux et voilà, donc je vais tout de suite me laver les cheveux. Super combo, franchement ces deux là ensemble ça va trop bien. Et bien sûr dans les produits Lush il n'y a pas de silicone, je sais que vous m'avez demandé, là non plus pas de silicone. Et moi c'est des produits que j'adore de par leur éthique, le côté fun et même au niveau des ingrédients, du savoir-faire et de tout ce qu'il y a derrière la marque. Donc moi je suis super fan de cette marque depuis toujours. C'est la marque qui m'a le plus inspirée lorsque je faisais mes cosmétiques maison. Donc je suis contente de vous en parler de nouveau. Parce que ça fait des années que je vous fais des vidéos. J'en ai parlé au début de ma chaîne. Et je ne vous ai plus jamais parlé de cette marque. Donc voilà, c'est chose faite. Allez filles, je file sous la douche. Désolée pour l'éclairage de bocal et le son qui résonne. On est dans ma salle de bain, il y a du vent dehors. Je suis en train de me laver le visage. Donc j'utilise comme tous les matins ma crème Alléluia d'Antipode. Que je laisse bien poser, que je travaille longtemps sur le visage, ça permet d'hydrater, ça nettoie en douceur, ça m'enlève toutes les petites peaux mortes. Et je masse avec une petite éponge Conjac. Et si je me filme, c'est parce que je vais en profiter pour vous montrer la petite séance avec mon appareil New Face. Voilà l'appareil en question, en fait c'est un électrostimulateur qui permet d'hydrater, de lifter les traits. Je suis en plein test, je vous en reparlerai, mais comme ça vous voyez un peu à quoi ressemble la séance. Je vous la mettrai en accéléré pour pas que ça soit trop long pour vous, parce que ça dure 15 minutes. Voilà, vous voyez, je continue à me masser le visage, vous me voyez à l'arrière. Alors, je viens d'avoir vaporisé ma brume hydratante de Josh Rosebrook. La séance doit se faire en fait avec un gel préparatoire. Il faut que la peau soit mouillée pour conduire en fait l'électricité, enfin le micro-courant plutôt que l'électricité. Le gel préparateur de la marque, qui est à base d'acide hyaluronique et de trémel, la trémel, c'est un champignon qui, comme l'acide hyaluronique, retient l'eau dans la peau. On allume l'appareil et en fait, toutes les 5 secondes, il va émettre un petit son. Voilà. Et la séance commence. La séance est terminée. Je vais filer sous la douche et finir de me préparer. Je vais être trop en retard. On se retrouve tout à l'heure.
Les amis, on se retrouve. J'ai pas du tout pu vous filmer ma préparation et l'arrivée au plateau parce qu'en fait j'étais à la bourre. À force de papoter, de prendre mon temps, tout ça avec le petit vlog, je me suis mis en retard. Donc je me suis vite préparée. Ensuite, arrivée là-bas à l'émission, il y avait du monde, tout ça. Je pouvais absolument pas sortir l'appareil photo, surtout qu'on a vu les derniers réglages de l'émission. Je voulais même filmer le plateau pour que ça vous fasse un souvenir. Donc ce que je ferai en barre d'infos, je vous mettrai le replay de l'émission et la prochaine fois, au cas où, vu que je serai plus à l'aise et plus avisée, j'essaierai de filmer ce que je peux filmer parce que bien sûr après c'est des locaux de télévision donc on peut pas filmer tout et n'importe quoi, faut aussi l'autorisation des gens. Donc voilà, première expérience, ça s'est super bien passé. Je m'étais maquillée pour de circonstances, je vous montrerai donc ce que j'ai utilisé et j'avais mis de l'highlighter. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait en télé il faut surtout pas d'highlighter, donc je me suis fait repoudrer mais 10 millions de fois. On m'a repassé même du fond de teint avec un système airbrush, génial, faut que je trouve ce système d'ailleurs. J'ai bien accroché avec les maquilleuses, en plus à la maquilleuse qui déteste les produits siliconés, tout ça, donc on a parlé beauté, c'était super intéressant. Donc elle m'a donné une marque de cosmétiques à tester qui s'appelle Ket, K-E-2-T. Et voilà, donc là je dois être toute flétrie parce que juste avant de passer, pareil, elle m'a refait une retouche avec de la poudre MAC, mais super bonne expérience. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé parce que je voulais avoir un teint impeccable. Et là j'ai oublié le bio et tout ça, je suis repartie dans mes produits chouchou, on va dire, même pour l'anti-cerne, oui, l'anti-cerne aussi. Et pour les cils, on va se retrouver dans ma chambre. Et sinon j'ai reçu des petits colis, je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse le déballage. Ça n'a rien à voir avec ce vlog, quoiqu'un vlog ça peut partir dans tous les sens. J'ai reçu ma commande fil unique, j'ai commandé, vous allez voir, ça je sais plus ce que c'est, je vous avoue je ne sais pas. Et ça c'est mon goodie bag de Oh My Cream. Allez, je vais vous faire l'ouverture et après je vous fais le maquillage que j'ai utilisé. Alors tout d'abord j'ai reçu la dernière nouveauté de Charlotte Tilbury, ils ont sorti le blush Pillow Talk. Alors je sais pas si vous le voyez bien en caméra mais en fait c'est un rose mauve. Oh, il est divin. Franchement, la couleur, elle est divine. Je pensais pas qu'il allait être aussi foncé. Je suis super contente. La palette aussi, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Franchement, j'avais peur d'être déçue. Parce que je n'avais jamais pris de produits yeux Charlotte Tilbury. Enfin si, j'ai une palette, mais elle est toute neuve. J'ai pas osé l'entamer, elle est trop belle. Regardez la merveille. Oh là là, elle est trop belle. Vraiment, je suis pas déçue. Hein. Oh là là, c'est tellement luxueux. En plus, les packaging. Ensuite, on part dans le soin. On part, alors, l'huile démaquillante de Patika, vous savez que j'adore cette marque et que j'adore les huiles démaquillantes. Donc celle-ci, je l'ai reçue via mon Vanity Ideal. En fait, je suis inscrite comme testeuse et en fait, comme toute personne lambda, je reçois des produits et je partage mon avis. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce site. J'ai reçu ma commande Oh My Cream avec le goodie bag. Donc au niveau des produits, on a donc le goodie bag, je ne vais pas vous le détailler, si ça vous intéresse, en plus surtout qu'il est plus dispo, donc je vais peut-être vous éviter ça, voilà, de vous mettre l'eau à la bouche alors qu'on ne peut plus la voir. Je vous ai fait un post au cas où sur le blog que je vous listerai. Au niveau des soins, j'ai pris le Flash Hydro Boost de Rennes, qui est en fait un soin hydratant booster qu'on vient travailler avec de l'eau le matin ou le soir. Ça m'aurait bien servi ce matin là pour me repulper. Ensuite, de Ally of Skin, le Promise Keeper Blemish Sleeping, enfin le truc avec le nom imprononçable, qui est en fait un soin surpuissant contre les imperfections, qui m'aurait bien servi parce que forcément, il m'est sorti un bon bouton juste hier soir, voilà, juste avant la chronique. Ensuite, chez Alpha H, je me suis pris un masque resurfaçant et peeling, on va dire, et enzymatique. Le Liquid, voilà, vous le lisez, hein, Liquid Gold Smoothing and Perfecting Mask. J'ai repris un fond de teint Ilia parce que je me l'étais commandé un tout petit peu trop foncé. Il faut que je vous reparle de ce fond de teint, c'est une merveille et ce fond de teint est clean. Il y a très très peu de silicone à l'intérieur, tout le reste c'est que des extraits de plantes, de l'aloe vera. Merveilleux, franchement, mais alors c'est un méga coup de cœur. Et enfin, le masque hydratant de Suzanne Kaufman, je n'ai jamais encore testé cette marque, ça sera une grande première. C'est un masque qui, voilà, qui se veut hydratant. On entend beaucoup parler de cette marque-là en ce moment, et notamment de ce masque, donc j'avais envie de tester. Et puis voilà, et puis le petit goodie bag avec tous les petits produits à l'intérieur qui sont vachement intéressants. Il y a des produits que j'ai déjà, des produits que je vais découvrir. Et au cas où, je vous en parlerai bien sûr. Et je trouve que c'est très bien parce que ça va me faire plein de petits formats découvertes. Donc je pourrai vous reparler prochainement en vidéo, sans passer par la case achat directement. Voilà.
Je vous montre au niveau de la tenue. En fait, j'avais fait très très simple. Ça, c'est un petit t-shirt Pinky que j'ai acheté ce week-end. Un blazer pareil de la marque Pinky que j'avais depuis une éternité. Jean Asos, taille haute, qui me sert un peu là. J'ai un peu grossi avec l'hiver. Mes petites bottines, je crois que c'est des Bershka, si je vous dis pas de bêtises. Look simple et efficace. Et mes boucles d'oreilles, vous m'avez demandé plusieurs fois. Je crois que celles-ci, je les ai eues sur Forever 21 ou sur Moa. Enfin, c'est vraiment petites boucles d'oreilles pas chères qui font un très très joli effet. Donc voilà, au niveau de la tenue, j'ai voulu faire simple et efficace, on va dire. Au niveau du maquillage, je voulais vraiment que mon teint soit assuré, couvert mais pas trop masque, longue tenue et sans transfert, donc forcément, et la peau qui ne brille pas. Le fond de teint Colorstay de Revlon, c'est pas naturel, c'est pas, voilà, ça fait pas partie de mes critères d'habitude de choix de produits de beauté, mais côté maquillage, voilà, côté teint, ce fond de teint, je l'ai toujours avec moi parce qu'avec ma peau grasse, il est génial. Franchement, je sais pas si vous voyez, il couvre bien, il bouge pas, voilà, tout simplement, il matifie bien, j'adore son rendu, ça fait des années que je l'utilise, je crois que j'utilise ce fond de teint depuis que j'ai 20 ans peut-être, ou 22 ans, allez, je crois que je l'ai découvert, oui, je l'ai découvert quand je travaillais, au tout début quand je travaillais en pharmacie. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai appliqué le Shape Tape de Tarte, la marque arrive en mars à Sephora, donc moi j'avais commandé aux États-Unis, ça sera plus la peine, c'est un anti-cerne super couvrant, j'ai quasiment pas eu besoin de le poudrer parce qu'il est assez matifiant. Pour le bronzer, j'ai utilisé mon Bahama Mama que j'essaye de finir en vain depuis un an. C'est fou, lorsqu'on se décide de terminer un produit, on a l'impression qu'il dure des lustres. Donc j'ai utilisé ce bronzer. Pour le blush, j'ai fait un mix de ce blush là, alors voilà, c'est deux blushs de MAC, hein, donc pareil, hein, vous savez que pour moi c'est des incontournables, la marque MAC. Je vous en parle plus beaucoup parce que c'est pas une marque, voilà, qui est clean, tout ça, cruelty free, donc j'évite de vous en parler, mais j'ai été une MAC addict pendant des années, donc si je vous montre ma collection MAC, voilà, vous allez halluciner, donc je continue à utiliser ces produits, hein, ça serait du gaspillage. Donc j'ai mélangé d'abord le blush Peach, voilà, qui est ce joli pêche, et celui-ci, c'est le Pincho Peach, alors qui est pas du tout pêche, qui est vraiment un rose un peu froid, enfin ni trop froid ni trop chaud, qui est super joli, j'adore associer les deux. J'avais légèrement poudré mon teint avec la poudre The Velvetizer, là vraiment au niveau des endroits que je voulais un peu flouter les pores. Après j'avais mis de la poudre de chez Hourglass, la Mineral Veil, parce qu'elle a un côté lumineux et qu'avec le fond de teint de Revlon, j'ai pas trop besoin de matifier. Bon, sauf qu'après on m'a mis 3 tonnes de poudre arrivée là-bas. Pour l'highlighter, j'avais utilisé celui de Milani, mais c'était la chose à ne pas faire lorsque l'on passe à la caméra. Et celui-ci, en fait, c'est le Strobe Light d'Eglo. Pas cher du tout, ça vaut une dizaine d'euros, magnifique. Et je crois que Milani, par contre, c'est cruelty free. Je veux pas vous dire de bêtises, je sais plus. Pour le mascara, voilà, le Lash Paradise en version waterproof, j'adore ce mascara. Je voulais un mascara, voilà, qui me fasse une belle courbure, du volume, qui ne bouge absolument pas. Donc en même temps que j'ai pris mon fond de teint Revlon et je me suis pris ce mascara là parce que je sais qu'il fonctionne parfaitement. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, j'avais mis une base de teint, chose que je ne fais jamais. Et j'ai utilisé la BB Boomer de Misha, qui est une marque coréenne. Vous savez, je vous parle souvent de la BB Crème de Misha. Tara qui est ici. Vous connaissez sûrement la Strobe Cream de MAC, qui est cette crème avec un espèce de reflet doré. Non, je dis une bêtise. Elle existe en reflet doré, mais la première version c'était un reflet rosé. Et là en fait c'est un reflet rose avec des petites particules de lumière. Je sais pas si vous n'allez pas voir grand chose. Et je me suis dit qu'en dessous le fond de teint, ça allait peut-être réveiller le teint et me faire le teint moins plombé et plus lumineux. Donc voilà pour le maquillage. Ah oui, 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 rouge à lèvres. Ben forcément j'ai sorti mon rouge à lèvres préféré, je cherchais, j'ai le crayon. Donc le crayon c'est le World de MAC et mon rouge à lèvres c'est le Kosas Rose Water, qui est mon indispensable parce qu'il est confortable. Moi j'avais la bouche, j'ai les lèvres très sèches, j'avais peur d'arriver les lèvres toutes fripées, vous savez. Donc j'avais besoin d'un côté vraiment hydratant et confortable. Donc j'ai mis ce rouge à lèvres là, qui est pour moi très hydratant, confortable, et qui a une jolie couleur nude rosé qui est fort sympathique. Et si vous avez entendu le vent, je suis désolée, on a une tempête à l'extérieur. Je suis arrivée là-bas à FR3, j'avais les cheveux complètement retournés, je me suis dit oh là là, j'avais une tête pas possible, les mèches s'étaient coulées, j'avais mis un peu de gloss, les mèches s'étaient collées au gloss, c'était voilà, c'est vraiment Pierre Richard qui arrive à la télé quoi, c'était un peu ça. Ah oui, j'ai oublié, vu que je voulais bien faire côté highlighter tout ça, j'avais mis
sur les petites, sur mes petites joues, tout ça. Le Flawless Filter, donc c'était la chose à ne pas faire, mais moi je l'ai fait, hein, je ne savais pas, de Charlotte Tilbury, qui apporte un glow mais très naturel. Donc maintenant vous le savez, si vous passez à la télé, vous oubliez l'highlight. Et je sais pas si vous arrivez à voir, donc ce matin j'ai utilisé mon shampoing Rawa. Dedans j'ai mis un peu d'huile essentielle de menthe poivrée pour avoir un côté frais, pour régulariser un peu ma production de sébum et pour avoir les cheveux brillants. Et ensuite j'ai utilisé le démêlant de chez Lush. Mes cheveux, ils sont d'une douceur et d'une légèreté, mais c'est impressionnant. Franchement, c'est un combo qui marche parfaitement. Donc voilà, avis si vous avez envie d'avoir les cheveux bien démêlés, bien brillants. Le shampoing Rawa Volume qui apporte du corps aux cheveux, qui régule un peu, je trouve, la sécrétion de sébum. Éventuellement de l'huile essentielle dans la dose de shampoing, je vous en ai déjà parlé. Et le démêlant American Dream de Lush qui sent divinement bon, qui démêle bien et qui fait les cheveux super brillants. Bonjour, bonjour, on est mardi. J'ai pas pu terminer mon vlog hier parce qu'en fait il a fallu que j'aille chercher Antoine à l'école, mon fils. Et l'école est loin, donc pour vous donner un ordre d'idée, je suis partie à 4h20 et je suis rentrée à 6h à la maison. Il a fallu faire les devoirs et à manger. Et en fait, ce petit chou qui a dormi sur le canapé, qui est juste sous cette grosse couette, eh bien, je pense qu'il m'a chopé la grippe. Donc voilà, j'ai fini par m'occuper de lui hier soir. Donc aujourd'hui, je travaille à midi. Là, ce matin, je vais me préparer, m'occuper de mon fils et je vais terminer l'article par rapport à ma chronique d'hier. Pour l'instant, je vais aller me faire un petit déj. Rien d'extraordinaire pour le petit-déj. D'habitude, je vous avais montré des petits-déjeuners healthy, sains, tout ça. Mais alors là, franchement, en ce moment, le petit-déj, c'est des pancakes voilà, de la marque Pasquier. Là, je vais prendre mes vitamines. Je refais une cure de maxillaire parce que j'ai les cheveux qui raplapla et qui tombent. Donc voilà, mon petit thé. Maintenant, je vais prendre mon article. Je vais le relire. J'ai encore pas mal de choses à bosser dessus, mettre une sélection de produits. Et on va terminer ce blog-là. Alors attendez, on va se retrouver quand même en visu. Vous avez été adorable avec moi, vous m'avez encouragé, soutenu. Beaucoup d'entre vous ont réussi à voir la petite vidéo, je vous mets le lien de toute façon du petit passage. Vous allez voir, c'est très très court en barre d'infos. Écoutez, on se retrouve très très vite, je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. J'espère qu'il fait très beau chez vous, nous ici on a un soleil, voilà, même s'il fait un peu froid, on a un beau ciel bleu. J'espère que c'est pareil de votre côté, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite, bye bye.